Indiquer vis à vis d'un enfant critique la définition de bactéries sensibles, résistantes à la bactérie, je vais voilà. Et, on va former une liste d'antibiotiques, la cible est bactérienne. Maintenant, le petit A, pour les pénicillines, c'est la synthèse du peptidoglycan. Céphalosporine, pareil. Toutes les bétalétamines agissent sur la synthèse du peptidoglycan. Le cotrimoxazole, c'est la synthèse des précurseurs nucléotides. Les fluoroquinolones, la DNA gélase, les aminosides, le ribosome, chlorophyllicol, ribosome, phosphomycine, peptidoglycan, vancomycine, peptidoglycan, bacitracine. La bacitracine, il agit sur le peptidoglycan, les gram positifs, l'activité est limitée du coup au streptocoque A. D'ailleurs, il se prescrit forme des pastilles. Bacitracine, l'axinogaïne, on fait des angines, quand il agit sur le streptococca, on l'axinogaïne, on a douleur au niveau des amygdales. C'est pas fait à bacitracine et l'axinogaïne. Ce sont des pastilles associées. Allez, je vais prendre un virus qui n'est pas suffisamment immunogène.
indiqué deux conditions nécessaires pour que l'acide clavulanique restitue l'activité de la mousticilline. Il n'y a pas de modification d'acide. Il ne faut pas tout aller PEP. Mais si on a une modification de cibre, on a l'acide clavulanique qui inhibe l'inhibicine. C'est pas du tout. Donc, il ne faut pas que l'acide soit modifié. Parce que le staff médiaire, ça ne sert pas à l'acide clavulanique. Le plus fort corps. Et les SDP, ça ne sert à rien de donner de la situation de la résistance au en modification des PV. Pour le cas, il faut que la pénicillina soit le même. Surtout, je vais faire la La cytéadrénaline est un inhibiteur strict de pénicillina. Au contraire, il est un inhibiteur de cyclosporinase. Quand on est en cyclosporinase, c'est un inhibiteur de pénicillina, pas du tout. Pénicillina, je suis d'accord. Thank you.